les yeux rivés sur toi, les yeux focalisés sur toi. We wait.
Oui, Seigneur, nous sommes sincères. Oui, Seigneur, nous sommes désireux. Oui, oh, oui, oui, oui. Fréquence, oui, ouais. Chaque son, chaque instrument, oui, ouais. Que ta main soit étendue, oui, ouais. Que ta main soit déployée, oui, ouais. Oh, God, oui, ouais. Oh, God, oh, God, oh, God. Que ta main soit répandue, que ta grâce soit multipliée, la connaissance libérée, oui, ta main puissante étendue, tes œuvres soient manifestes, oui, ton feu va libérer. Ta gloire apparaît en ce lieu, oui, oui. Que ton feu soit déversé, oui, que ta puissance soit déployée, oui, que tes anges soient très nombreux, oui, que ton rêve soit libéré. Capacité nous porte, oui, ton action fasse la différence. Oui, nous ne savons pas prier, oui, nous ne savons pas parler, oui, mais combien nous t'attendons, oui, nous attendons le magnifique. L'auteur de miraculeux, oui, nous attendons Dieu qui entend, oui, nous attendons le seul vrai Dieu, oui, le Père de notre Seigneur Jésus, oui. Oh, magnifique, magnifique, oui, 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 oui. Parra la 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 la
Pour une nouvelle dose de feu divin.
dose d'onction de Dieu. Pour une nouvelle dose de puissance surnaturelle. Pour une nouvelle dose de faveur divine. Pour une option nouvelle de délivrance, pour une nouvelle dimension d'intimité, pour un nouveau feu intérieur, pour un nouvel élan, pour un nouveau cœur, un nouveau jour. Divine, pour l'extraordinaire divin, pour voler comme un aigle désormais, pour être inarrêtable, inébranlable, à ce que nul ne tienne devant nous désormais. Les complots formés contre nous se retournent contre ceux qui les avaient fondés. Ceux qui s'étaient unis contre nous se divisent. Oh oui, oui. Nous attendons les provisions. Nous attendons prêts à recevoir. Nous ne sommes pas en train d'espérer, c'est fini. Nous sommes dans la posture de celui qui attend le pain du ciel. Nous sommes dans la posture de celui qui est en train d'accueillir. Nous sommes dans la posture de celui qui n'espère pas. Et celui qui lève les mains pour réceptionner. Les flots divins Oh oui, 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 oui. Les brosseaux parlent à ma mort. Oh oui, 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 oui. Une pluie de paquet est en train d'atterrir. Le colis est en train d'être déversé. Le relâchement des rêves divins. Oh oui, oui, oh oui, oui. Oh oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Rossomarani m'a brocossé. Et ma marane est là, m'a brocossé. No, we were, we were, we were. Oh, we were, oh, we were. We wait for mighty fire. We wait for a new anointing. Un nouveau feu, un nouveau feu. Pour sceller ces 21 jours. Un nouveau feu, un nouveau cœur. Une nouvelle santé, une nouvelle libération, une nouvelle force. Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. C'est pas la vie de ma bosse, la la la. Car oui, 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 oui. Un nouveau témoignage. Nous ne sortirons pas de ces 21 jours avec un témoignage, avec un sujet, non. Nous sortirons avec une multiplicité, avec d'abondants témoignages à la gloire de ton nom, d'abondants rémas, d'abondantes visitations, de nombreux paquets là où nous avions cru. Les cœurs de véritables adorateurs, une nouvelle option de prière, une nouvelle grâce de prière.
une onction nouvelle de prière prophétique. Comme un aigle, nous volerons. Avec toi dans les sommets. Une nouvelle facilité divine. Une nouvelle persévérance. Là où il y a prévalé l'inquiétude. Un repos d'une nouvelle dimension. Une foi d'une nouvelle dimension. C'est la foi ferme de Christ. Une nouvelle santé, une nouvelle âme. De nouvelles émotions. Nous sommes en train de recevoir. Nous sommes dans la posture de la réceptivité. Nous ne sommes pas en train d'espérer. Nous sommes en train de recevoir. Sur nous, une nouvelle autorité. Shine as a light.
Nous n'espérons plus
recevons et par brocos une pluie nouvelle, un feu nouveau, une pluie nouvelle, une option nouvelle. Vision nouvelle, émane nouveau, direction nouvelle, oreille nouvelle, des yeux nouveaux, des nez nouveaux, l'itarababos, des organes nouveaux, un visage nouveau, une peau nouvelle, un cœur nouveau, l'itarababos, les patamas. Précise quel organe, précise quelle partie du corps, précise quelle partie du corps, précise sur ta vie, précise sur tes enfants, précise sur tes enfants, envoie cette parole, sur qui dois la recevoir, envoie cette parole, sur qui vois-tu recevoir, qui vois-tu recevoir, qu'est-ce que tu reçois, qu'est-ce que tu reçois, prépare ma bouche. Santé nouvelle sur mes enfants, les vacances sauvées, Ibarra d'Amabos, les recosses et les Yada d'Amabos. Qu'est-ce que tu reçois? À qui l'envoies-tu? Envoie-le! Les Rebabos, nous recevons. Et nous distribuons, nous recevons, et nous les distribuons. Les carababos, et les mamabos, et les lababos, et son imama. C'est la pluie, sur qui tu l'envoies? Distribue-le, distribue-le. La conversion, la vigueur. Libération totale, un cœur nouveau, une révérence nouvelle, des sentiments nouveaux, une âme nouvelle. Cette rébellion s'en va, cette insouciance s'en va, cette inquiétude s'en va, définitivement. Cette peur s'en va, définitivement. Nous recevons une paix nouvelle. Foi nouvelle, un repos nouveau. Le Seigneur, 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 Tout le monde élève la voix. Distribue, reçoit et distribue. Reçoit et communique. Le premier homme, Adam, était une âme vivante. Le dernier Adam est un esprit qui communique. Qui communique. Communique. Tu peux communiquer. Tu peux communiquer. Reçois sur toi et envoie la parole. Là où tu l'envoies, elle partira. Là où tu l'envoies, elle partira. Des ordres sortent. Des ordres sortent. Des ordres sortent. Envoie la parole. Tu peux l'envoyer. Ce que tu enverras s'accomplira. Des anges sont en mouvement. Des anges sont en mouvement. C'est les carabaros. Les mamas, les mamas. J'envoie la santé sur mes enfants. Envoie la paix à quelqu'un qui est dans le trouble. Envoie les nouveaux organes. Tu peux envoyer. Envoie une nouvelle intelligence. Il n'y a pas de limite. Envoie! Il me dit qu'il n'y a pas de limite ce soir. Ce soir, tout est possible. Envoie! Reçois et envoie! Ce que les hommes ont déclaré à
impossible. Contente-toi de l'envoyer. Contente-toi de le proclamer. Envoie-le sur qui tu veux, envoie. Là où il y avait la mort, là où la maladie prévalait, envoie la vie, envoie! Là où tu envoies la vie, la mort reculera, la mort sera ôtée. Là où tu envoies la vie, la mort sera chassée. Envoie l'esprit de vie! Envoie un nouveau cœur. Tu peux l'envoyer à ton conjoint. Un nouveau cœur, tu peux l'envoyer.
de nouveau. Une intelligence sur le don de la vie qui n'était pas intelligente. J'envoie l'intelligence divine. J'envoie la sagesse sur ma postérité. J'envoie la faveur. J'envoie la santé totale. J'envoie cette parole. Un cœur nouveau. La fin du rejet de la vertu. La fin de la rébellion. La fin du rejet. La fin de la culpabilité. La fin de la peur. De nouvelles émotions. De nouveaux sentiments. La fin de l'inconstance. J'envoie la stabilité. Le fruit visible et durable. Constant et solide. J'envoie. Église, envoyons les richesses des nations à l'église. Envoyons les richesses à l'église. Allons-y, libérons les nations. Proclamons les richesses des nations affluent. Dans ta vie et dans ma vie. Commandons le transfert. Richesse des nations, argent, allez dans le projet de l'hôtel de Dieu, allez dans la poche, dans les comptes, dans les opportunités, les entreprises. Au sort des enfants de Dieu, de ceux qui ont fait une alliance, de ceux qui ont fait un vœu. Finance, allez, au nom de Jésus, contrat. Affluer, arriver, au nom de Jésus, opportunité, contrat, travail, entreprise, carrément chakra, promotion, augmentation, faveur, nous envoyons vers ceux qui ont fait une alliance, vers ceux qui ont fait un vœu, vers ceux qui ont un pas Dieu. Allez! Et ma propose. J'envoie. Et propose par les mots. Continue d'envoyer. Vous savez comment Dieu a besoin de Saint-Esprit et de puissance. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien. Et guérissons tous ceux qui sont sous l'empire, la tyrannie, la domination du diable. Car Dieu était avec lui. Il faisait le bien, envoie le bien. Sur ceux qui sont affligés, envoyons le bien. La libération totale. Et la marée. On saura parler de la parole. Au nom de Jésus, j'envoie. Et pour soi, c'est un faisceau de paroles qui converge. Et par la maman palais. Et par vos possades et les mains. J'envoie. Envoyons la libération totale. Toutes les personnes qui étaient encore harcelées par la sorcellerie, par l'esprit d'échec, d'infirmité, de stérilité, de pauvreté, l'esprit d'infirmité, l'esprit de folie, en voyant, il y a une puissance de
envoyant ce que nous envoyons. Aujourd'hui, c'est le jour de l'expédition. Envoie. Les esprits méchants qui habitaient dans les corps et qui oppressaient nos frères et nos sœurs, nous envoyons un faisceau de puissance de libération, quelles que soient les voix qui sont posées. Ils voient soudainement venir contre eux une armée nombreuse, comme un seul homme. Et cette armée, au nom de Jésus, vous commande de libérer définitivement nos frères, nos sœurs. J'envoie. Et les barons possédés. Il n'y a pas de barons possédés. En compagnie de mon frère, en compagnie de ma soeur, je ne suis pas seul, j'envoie. Malade. Il a envoyé, il ne s'est pas déplacé, il a envoyé une parole. Et lorsque l'homme est arrivé chez lui, le lendemain, on lui a dit, ton fils, Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Et quand il a fait le chemin, quand le lendemain il est arrivé chez lui, on lui a dit que son fils vivait et que la mort était partie. Et lorsqu'il a demandé à ses serviteurs, depuis quand est-ce qu'il vit? Lorsqu'on lui a dit l'heure, il a reconnu que c'était l'heure exacte où Jésus a envoyé la parole. Et lui a dit, va, ton fils vit. Tu iras, tu constateras. Et tu demanderas, depuis quand ça s'est amélioré? Depuis quand ça a changé? Alors que tu as envoyé, quelqu'un instantanément a été visité. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un a été visité. Une personne que l'esprit de mort réclamait était venu chercher. Sa santé était en train de s'abîmer, de se dégrader, de se détruire. Sa santé était en train d'être affectée. Et ça se dégradait. Mais si tu as envoyé ce soir l'esprit de vie, va te renseigner. Envoyé pour tes proches, pour tes enfants. La première partie de l'envoi concernait l'envoi pour toi. Après, on a prié pour que tu nous envoyes la richesse à l'église. Ce n'est pas à un mur, c'est à des contributeurs. C'est à des personnes qui ont fait des vœux. Les contrats, les opportunités, les recruteurs. Entendu? Ils ont entendu? Tout ce qui existe, tout ce qui vit dans l'invisible et dans le visible, a une oreille pour entendre. Et ils ont entendu? Et ils obéissent.
Je vois converger du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je vois converger des ressources financières abondantes pour bâtir un hôtel à Dieu. Maintenant, nous allons envoyer tous ensemble la rétribution à ceux-là inspirés par les démons, les bâtisseurs d'hôtels maléfiques, à ceux qui ont dit non, j'ai choisi le camp du diable et je ne me repentirai pas. J'ai choisi le camp de la méchanceté et je ne compte pas changer. J'ai choisi de lui faire du mal et je ne compte pas me repentir. Ça va élever la voix. Envoyez la rétribution du Seigneur. Ne dis pas autre chose. Désormais, j'envoie la rétribution. J'envoie le jugement. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. J'envoie la rétribution. J'envoie la justice de Dieu. Élève la voix, proclame. Proclamant. Parabo secata de rimo. Envoie la rétribution. Il a dit à moi la vengeance. À moi la rétribution. Imoko secata la baboko salala. Yere babare la boko secare. Yere babo secare. Envoie la rétribution. Ça veut dire, tu es en train de dire à Dieu, maintenant fais justice. Maintenant fais justice. Fais justice. Fais justice. Aux esprits méchants et à ceux qui les invitent, à ceux qui les invitent contre ma vie et ta vie. Contre un maçon chrétien, nous envoyons la rétribution du Seigneur, la vengeance du Seigneur. Déclare la parole.
reçois, je reçois de toi. Parlez ma bouche, tu es tout pour moi. À ma Père, je reçois, je reçois. Sont en toi. Moi, voilà pourquoi je déclare que c'est de toi, c'est de toi. Ça viendra par les hommes peut-être, pour certaines choses. Toi, mais je veux te dire que c'est toi, c'est toi. Je te remercie car je reçois. Père, je reçois. Je reçois tout. Tout pleinement, toi, tu es tout. Et mon sang m'a béni, ma mère, ma mère, ma. Je déclare que je reçois. Je reçois. C'est les marins. Une vie nouvelle à l'intérieur de mon corps. Des organes nouveaux. Des yeux nouveaux. Des oreilles nouveaux. Je reçois. Un poumon nouveau. Un cœur nouveau. Des jambes nouvelles. Des genoux nouveaux. Je reçois. Je reçois. Des sentiments nouveaux. Des émotions nouvelles. Une paix nouvelle. Une foi nouvelle. Je reçois, je reçois, je reçois. Libra Harley et Mabros, je reçois de toi pour communiquer à mes enfants, pour communiquer à l'église, pour communiquer à mes frères, pour communiquer à mes soeurs. De nouvelles grâces, nouvelle onction, nouvelle autorité. Nouvelle puissance, nouvelle audace, nouveau courage, nouvelle humilité, nouvelle sainteté. Et vos paras, quel est ma bosse et les mains. Nouveau cerveau, libra haya, quel est ma joie. Nouvelle vigueur. Nouvelle jeunesse, nouvelle vitalité, nouvelle partie intime. Reçois nouvelle partie intime. Là où il n'y a plus de kyste, là où il n'y a plus de fibrome, là où il n'y a plus de reine douloureuse, là où il n'y a plus d'endométriose. Un nouveau sang, reçois. Et ta barra, châle éclatée. Oh, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, et nos sauveurs, et les papa, y'a la réponse. Je reçois tout de toi, je reçois de toi, de toi, la plénitude. Saint-Esprit. Un nouveau feu, un nouveau feu. Je reçois, je reçois. Je reçois. Et les marabés, rosso marabés, les prêts. Je reçois. Et vos salades. Je reçois. Ce soir,
tu n'espères plus. Il ne s'agit plus de s'attendre à lui. Il s'agit de recevoir seulement. De recevoir seulement. Nous ne sommes plus dans le futur. Nous sommes dans maintenant. Je te dis, Père, je suis heureux de te dire, à toi serait ma source, je reçois, ma sécurité, je la reçois, de toi, ma confiance, je la reçois de toi, ma force, je la reçois de toi, mon audace, je la reçois de toi. Ma percée, ma propulsion, je la reçois de toi. Je distribue. Je reçois. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit qui communique la vie. Je reçois. Qui communique tout. Qui communique. Financière, nouveau poste, nouveau travail, nouvelle promotion, nouvelle opportunité, nouvelle faveur. Je les reçois. Plusieurs viendront par les hommes et je le reçois. Je le reçois de toi. Je des nouvelles connexions, des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités, des visitations inattendues et illimitées, des cycles de témoignages, des cascades qui me dépasseront et qui causeront l'étonnement que je n'aurai absolument jamais mérité. C'est le fruit de ta grâce. Le fruit de ta grâce. Une nouvelle dimension de protection divine. Surnaturelle. Une nouvelle dimension de protection, je la vois.
Une nouvelle sécurité sur ma famille, sur mes enfants. Là où il y avait des tendances à accident et à incident, je reçois Paraneba une nouvelle dimension de sécurité divine. Et Parababo Osabo Proscarare Mabarare Ricarre Locorare Babocos. Une nouvelle vision céleste. Un nouveau discernement. Nouvelle connexion. Nouvelle relation. Nouvelle fréquentation divine. Dieu. Les labros, la barra, les bros, la bros. Nouvelle attitude de cœur. Je reçois de toi. Abba. 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 Je reçois de toi. Je
Merci, Père. Depuis tout à l'heure, c'est tu as tout reçu. C'est la parole, c'est la même parole que le sacrificateur Élie a donnée à Anne lorsqu'elle a soupiré. Attends. Lorsqu'elle a soupiré et qu'elle a gémi devant l'autel de Dieu. Élie ne savait pas pourquoi elle avait soupiré. Mais le Saint-Esprit sait pourquoi nous avons soupiré. Elle dit, tu as reçu, et la deuxième parole, c'est la seule qui vient. Juste, va en paix. Mais va en gardant ce que tu as reçu. L'année prochaine, l'année suivante, Anne est venue présenter l'enfant. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais je crois que c'est dans les prochains jours et les prochaines semaines tu présenteras. Tu présenteras. Tu présenteras. Tu diras, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Va seulement, garde ce que tu as reçu et tu présenteras. Tu présenteras. Nous présenterons. Nous présenterons. Et nous n'attendrons pas ce jour-là pour rendre grâce. Nous rendons grâce, merci. Merci. Exprimer notre gratitude. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Pour chaque réma, chaque parole donnée chaque jour, chaque parole différente. Chaque inspiration différente, chaque trajectoire différente. Nous reconnaissons que c'est toi
a produit toutes choses. Toi qui as été notre alpha, tu nous as fortifiés. Saint-Esprit, tu nous as aidés. Tu nous as assistés dans nos faiblesses. Parce que nous ne savions pas comment il convenait de prier. Mais tu as intercédé pour nous par des soupirs inexprimables. Et tu nous as amenés à prier selon la pensée de Dieu. Tu as dit, dis comme ça, présente comme ça. Prends cette trajectoire. Et tu l'as fait pendant 21 jours. Waouh! Magnifique esprit de Jésus. Nous t'adorons. Et Caramabroso Carré. Oh, magnifique, magnifique. Ami fidèle, précieux consolateur. Le plus merveilleux des guides et des compagnons. Et des conducteurs et des instructeurs. Et des boucliers et des forteresses, des protecteurs. Bannière, allégresse, lumière, commandant en chef, bâtisseur. La lumière sur notre sentier. Nous te célébrons, nous acclamons. Ta présence, nous célébrons ton ministère. Magnifique. Tu nous as appris à prier selon l'Esprit. Tu nous as conduit sur les sentiers de ta volonté. Tu nous as portés. Tu nous as fortifiés. Tu nous as éduqués. Tu nous as exercés au combat. Tu nous as inspiré les paroles que nous devions dire. Tu nous as fait prier sur ta parole. Pas selon nos âmes, nos émotions. Tu nous as fait prier sur ta parole. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Nous avons tout reçu. Merci. Admirable.
suscitera l'admiration, car tu es tout puissant, tout puissant, tout puissant, nul ne peut tenir contre nous, parce que tu es, parce que tu es, tu vis en nous, tout puissant, tout puissant.
Nous acclamons l'Oméga, celui qui a tout accompli, celui qui a déclaré. Il a déclaré aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'espérance. Nous avons reçu. Et de même qu'il a dit à Aïe, va, il nous dit va, va, mais va, va, c'est fini, va. Oui. Merci. Merci. D'un moment conduit par l'esprit, c'est qu'il ne faut dire que ce que l'esprit dit. Il ne faut faire que ce que l'esprit fait. Il ne faut rien rajouter. Et c'est ça la particularité, de ne pas rajouter ce qui vient de l'homme. S'il dit une parole, c'est juste une parole. Après demain, nous allons revenir ici, toujours dans la prière et le jeûne, assoiffé de Dieu. Mais pour nous qui avons fait le jeûne, pour nous, va. Nous viendrons prier. Nous viendrons prier. Et nous allons sûrement faire le ministère selon la direction de l'Esprit. Mais, quoi qu'il arrive, en ce qui te concerne, tu as reçu. Va. Tout ce qui arrivera dans les prochains jours, les prochaines semaines, sera parce que dans sa grâce, il a entendu, il a répondu, il a combattu pour nous. Et il a dit, va, tu as reçu. Je tiens à vous préciser. Et demain soir, nous ne nous retrouvons pas ici. Il n'y a pas de prière demain soir. On se retrouve vendredi à 19h30 pour atmosphère de gloire et de miracle. Et demain, nous ne sommes pas là. Deux autres annonces importantes. J'ai vraiment à cœur de faire une offrande. Ok, ce qu'on va faire, c'est que chacun de nous, soit aujourd'hui, soit vendredi,
Moi, j'ai reçu, pour moi, en tout cas, je ferai 365 parce que c'est ça que j'ai reçu. Mais je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, donne avec ce que tu peux. Si tu ne peux pas faire ce que je fais, fais avec. Mais je ne demande même pas plus, juste 365. C'est prophétique. C'est pour toute l'année prochaine, c'est tout. Amen. Si tu ne peux pas, donne ce que tu as. Dieu va honorer ça. Cette offrande, ceux qui veulent la faire aujourd'hui, pouvez la faire aujourd'hui. Sinon, on va la faire également le vendredi. Quelqu'un dit amen. Et deux annonces importantes. Le stand de témoignage, je vous en supplie, témoignez. Il y a beaucoup de visitations divines qui ont eu lieu. Témoignez, le stand est là. Il y a une nuée de témoins qui sont là. Mais la nuée de témoins va partir du stand. Et on pourra laisser la place au stand. Amen. Amen. Et enfin, je voulais... Dieu m'a fait grâce de finir l'écriture de ce livre que je voulais vous présenter, comme c'est Noël. Je n'ai même pas fini. C'est le livre que j'ai présenté à Abidjan, en Côte d'Ivoire récemment. Le titre s'appelle Vivez l'extraordinaire divin. Et je te promets vraiment que c'est possible. C'est possible de vivre l'extraordinaire divin. C'est la vie que Jésus a annoncée, qu'il est venu donner. Et ça, c'est le premier volume. Je suis en train d'écrire le deuxième. Le but, c'est vraiment d'édifier et de convaincre et de persuader de ce qu'une autre vie est possible. Et donc... Alors ça, c'est pas moi, par contre. Ça, c'est eux. Ils ont mis plusieurs stands de vente à la librairie, dans la salle annexe et à l'extérieur. Et, bon, voilà, je n'aime pas faire des annonces, je ne suis jamais à l'aise avec les annonces. Mais, en tout cas, il y a des promotions pour les fêtes de fin d'année. Ce que je te suggérerais, franchement, c'est prends-en un pour toi et offre-le à quelqu'un. Ça sera un excellent cadeau. À la place des jouets, non, à la place des jeux vidéo. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un jeu vidéo. Amen. On va incliner la tête, on va prier pour la fin de ce moment. Juste encore dire merci à Dieu. Et avec moi, waouh. Il nous a portés. Il nous a fortifiés. Il nous a assistés. Il nous a conduits sur le chemin de sa volonté. Il nous a permis d'accumuler et d'accumuler les stocks des provisions, des prières qui, mon frère, ma soeur, parleront sur tout le long de l'année 2017. Ça ne sera pas le seul jeûne et prière. Non. Mais celui-là, c'est le jeûne de la préparation de toute l'année prochaine. Et c'est le jeûne pour clôturer 2016. Il y a eu tellement de choses qui se sont produites cette année. Et nous allons arriver de manière certaine à la fin de cette année, portés par sa main puissante. Et nous traverserons 2017 portés par sa main puissante. Et nos vies ne pourront aller qu'en augmentation, en expansion, en croissance. Elles n'iront pas en s'empirant. Elles iront en se déployant. Elles iront de mieux en mieux, d'exploit en exploit, de grâce en grâce, de témoignage en témoignage. Si Dieu avait fait de grandes choses en 2016, tu n'as pas encore vu 2017. Sois reconnaissant pour 2016, et sois enthousiaste et dans l'expectative pour l'année qui arrive. L'année qui vient ne ressemblera à aucune autre année. Elle ne ressemblera à aucune autre année. La main du Seigneur sera sur nous de manière exceptionnelle. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Aucune parole, aucune offrande ne pourrait suffire à exprimer notre gratitude.
mais du plus profond de notre cœur. Nous te disons merci. Magnifique, consolateur, esprit de Jésus, bâtisseur de l'Église. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. C'est ta grâce qui l'a fait, Seigneur. C'est ta main qui nous a portés. Et aujourd'hui, tu as dit, tu as tout reçu. Va sur cette parole, nous allons. Sur cette parole, nous allons. Confions. Confions. Comme Anne, et partie souriante et confiante. Nous partons souriant, joyeux. Confiants. Merci. De la grâce de notre Seigneur Jésus. Que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage maintenant et à jamais. Merci pour le bonheur et la grâce qui nous accompagneront tout au long de notre vie, cette fin d'année, tout au long de 2017, jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur. Nous ne quitterons pas prématurément. Nous remplirons nos jours. Nous combattrons le bon combat. Nous garderons la foi. Le combat de la foi que nous avions combattu jusqu'à aujourd'hui, celui-là, il est fini. Je suis en train de parler des autres combats qui viendront. Mais celui-là, il est fini. Il est fini. Il est fini. La fin de la partie a été sifflée, c'est fini. Et pour les prochains combats, nous combattrons. Nous garderons encore. Et nous achèverons la course. Nous garderons et nous manifesterons la même victoire de Christ. Par ta grâce, le titre obtenu à la croix sera conservé. Merci. Souviens-toi de chaque personne. Souviens-toi de ceux qui ont contribué, ceux qui t'ont imploré. Souviens-toi de ceux qui se sont engagés à devenir des bâtisseurs et à ceux qui se sont engagés à devenir des ambassadeurs bâtisseurs. Souviens-toi de toute personne qui a à cœur ton œuvre, ton royaume. Souviens-toi de ceux qui ont à cœur, qui veulent contribuer fortement et qui jusque-là financièrement étaient restreints. Merci de ce que tout à l'heure, alors que nous avons appelé, envoyé, merci de ce que 2017 sera l'année d'une faveur financière sans précédent. Elle ne sera pas naturelle. Comme la veuve de Sarepta, elle sera surnaturelle. Souviens-toi de ceux qui ont marché sur la parole que tu as donnée, ceux qui ont décidé de la prendre à cœur. Souviens-toi de chacun, de chacune, de sa vie, son foyer, sa famille, et au carrefour des défis, des attentes et des besoins de chacun. Visite ton peuple. Merci de ce que tu feras infiniment, abondamment au-delà. Est-ce que nous te demandons ou nous pensons par ta puissance qui agit en nous? Honneur, louange et gloire à toi, Père, et à personne d'autre, et à Jésus le Christ, notre Seigneur, maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. À tous les rêves libérés en ce lieu, à chaque parole libérée, à chaque parole reçue. Parole du jour. Nous allons
pas. Amen. Nous allons en paix. Amen. Nous allons confiants. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Excellente soirée. Dis à cette personne, tu as reçu, va en paix. Ceux qui veulent faire leur offrande, ceux qui n'ont pas l'intention d'être là le vendredi, faites votre offrande aujourd'hui. Et ceux qui sont là le vendredi, vous pouvez également attendre le vendredi. Excellente soirée à chacun, à chacune.